She has me like a passes when I am weak. I've been locked inside your heart-shaped box for weeks. I've been drawn into your magnetar pit trap. I wish I could eat your cancer when you turn black. Hey, wait, I've got a new complaint. Forever dead to your priceless advice. Hey, wait, I've got a new complaint. Forever and dead to your priceless advice. Vous allez bien. Excusez-moi, j'ai mal à la gorge. Alors on se retrouve aujourd'hui. On va retourner dans le présent. Hein. Il s'est passé des choses. Bon, il est retourné dans le passé, dans le présent hein, actuel. Mais après, il s'est passé des choses comme qui fait que son corps est retourné dans le passé. Voilà. Du coup, voilà, monsieur. Et dans le passé.
Parce que dans la technique qu'il a fait, bah en fait, il pouvait pas partir comme ça. En fait, il y avait. C'était comme s'il était coupé en deux et que sa moitié était restée ici, dans le passé, et que l'autre, elle était retournée dans le présent. Du coup, en fait, comme vous savez, quand une seule chose est coupée en deux et que pour en former qu'un, elle a besoin de se réassembler, bah ça agit comme un aimant. Et bah, du coup, bah voilà. Là, cette fois, ça agit comme un aimant sur lui, et du coup, bah voilà. Hein. Il est retourné dans le passé. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre. Bon, je sais pas combien de temps ça va mettre, mais on va attendre que ces messieurs de l'armée, avec Emiliano et tout, ils viennent ici, et voilà. Hein. En tout cas, sachez qu'il a pris des retombées que jamais personne n'a vues. Bon, après, évidemment, une semaine de repos quand même, ça a moins empiré, mais bon, il a quand même la gueule défoncée. On va pas sortir gentiment. Allez, toc. Voilà. Je sais pas si vous avez remarqué, mais attends. Regardez bien les yeux. Ses yeux et tout le travail, ils ont pris cher. Est-ce qu'il va rester chauve? Non. Voilà. Il est bien mieux comme ça. Pour l'instant. C'est mieux de le voir comme ça avec une casquette et un masque. C'est pour le moment, c'est ce que je préfère. Et vous voyez au fur et à mesure des jours qu'on va passer avec Calvin, bah sa tête elle va devenir de moins en moins comme ça, avec la tache qui va diminuer. Bon, après, il y aura toujours une tache rouge, hein, évidemment. Mais elle diminuera. Elle diminuera, quoi. Alors, j'essaye de voir avec les autres. Bon, je dois attendre encore un peu. Pour le NS Power, c'est-à-dire pour avoir aussi l'électricité et tout. Sachez que si je l'ai, son aura, elle sera violette. Hein. Et j'ai fait un truc comme quoi, plus il va du mal, dans le côté du mal, plus violet il devient très très sombre. Et plus il remonte dans le bien, et plus son aura redevient flamboyante, un violet flamboyant. C'est ce que je vais faire. Mais il faut que j'attende pour pouvoir le faire. Puis aussi je peux vous dire que le NS est plus pratique que le Homelander parce que t'es obligé de faire. Pour le Homelander, t'es obligé de faire une commande. Tac. Tac. Cliquer. Tac. Alors qu'avec le NS, t'appuies sur une touche, tu coches l'onglet Fly. Ensuite, t'as plus besoin de faire quoi que ce soit, ni de commande. T'appuies juste sur une touche. Tac, tu voles. Donc voilà. On va attendre. Putain, il casse les couilles. On va afficher ça là. Ok, tac, ça c'est bon. On va attendre. Je sais pas combien de temps on va attendre, mais on va attendre. Attendre. Putain, il me casse les couilles le téléphone de mort là. Ok. Alors. On a un nouveau téléphone. Dans le passé, bah, dans le présent, bah, j'en ai racheté un. Et puis voilà. Bah, comme je vous ai dit, ça s'est attiré comme un aimant. Et il est retourné dans le passé. Et il faut qu'il prenne véritablement la machine pour retourner dans le passé. Enfin, dans le présent, quoi. Donc là, ouais. Pas attention à ça. Hein.
Je vais mettre un fond d'écran, je sais pas quoi mettre. Attendez. C'est pas image. Voilà, c'est ça, c'est ça. Download post tac. Ok, normalement c'est ça. Ça c'est ça. Ok, maintenant ça marche pas, d'accord. Je sais pas comment je vais faire du coup. On va mettre un truc de la nature. Hein. Voilà. Parfait, le temps. Dites-vous que avant, vu qu'il avait. Il avait vraiment été. À dire comme brûlé, bah il marchait comme ça. Hein. Attendez. Il marchait, attendez. Voilà. Comme ça, il marchait comme ça avant. Caillou. Et du coup, maintenant, il a repris sa. Bah, il a guéri quand même. Hein. Et du coup, il remarche comme avant. Se faire plaisir, toujours au bon prix. Allez, Nikumouk. Avec ton annonce là de merde. Putain, mais j'en ai marre. Ce petit feuille de merde. C'est pour ça que je suis sur YouTube avec un adblock. Mais bon, après, si Google il fonctionne plus, c'est pour ça, merde. Ah oui, j'adore ça. Attendez. Voilà, celle-là. Attente, là, c'est Calvin ou Davis? Bah, là, c'est Calvin. Et quand je dis la relève de Davis, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Davis, il va pas revenir à la vie. Hein. C'est une relève, quoi. Mathéo, quand on dit relève, c'est pas du genre il va revenir, hein. C'est du genre la relève, c'est il va devenir comme lui, il va faire les mêmes choses, mais peut-être 10 fois pire. Il a pris de l'énergie aussi, hein, mais vas-y. Là, c'est pas RP. Moi, j'aime bien ce temps.
Attends, t'imagines, il débarque comme ça, moi. Moi, je suis là, attends. Dans sa grotte, pas du tout. Attends, me dis pas, on est retourné dans le présent maintenant, parce que là, on m'a même pas prévenu, wesh. Parce que je le vois pas sur... Ah, attends, parce que j'ai peut-être pas dû finir là correctement la cinématique. Hey, c'est Daï, putain, ça fait la oh. Putain, à force de... Putain, je sais plus écrire maintenant. Attendez, parce que moi je suis pas sûr de...
On est dans le passé, je crois, pour le moment. Donc, en fait, là, même lui, il sait pas. On est bloqué. Oh, fils de chien. Oh. Les parcours m'ont peut-être pas servi à rien, attendez. S'entraîne toujours. Waouh, je grimpe. Waouh. Waouh, je grimpe. Oui, on peut vraiment grimper par contre. Je suis vraiment une bite alors si je sais pas grimper ça. Ah, mais je comprends aussi. C'est ma largeur des trucs. Oh, on a rien vu. Je suis en... Voilà quoi. Je suis fort moi. En parcours. Oh, sa mère. I'm a cigarette. Putain, mais lui, je crois qu'il doit pas être là encore. Hein. On est toujours dans le passé, là, je crois. Oui, là maintenant, oui. Je sais pas comment m'entend. Ok. On m'entend bien. Hey. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Et t'es qui? Bonsoir, Khalid. C'est Charles.
Non. C'est qui? Je sais pas qui c'est, Charles. C'est qui, toi? Qui était? Je te rappelle les pâtisseries. C'est 3. J'étais avec ta soeur. Deux personnes. Comment de ce moment-là ou pas? On est au passé, passé là. On est dans le passé, passé là. Je sais pas ce que tu fous là, toi. Non, ce que je fous là. Tu m'entends comment, la bâtard? Je t'entends modif. Ok, ok, okay, parfait. Parfait. Change tes choses. Dis-moi ton prénom, si ça peut me remémorer quelque chose de toi. Tu le connais très bien, Calvin. Je te connais pas. Je suis pas quitté. Tu connais très bien. Je t'ai déjà vu ? Sûrement, peut-être. T'es pas Kyle ? Non. Non. Est-ce que t'es sûr que je te connais? Oui. Moi, je connais ton père. Mon père. David Smith. Et du coup? Je sais pas, j'ai l'impression que plus tard tu me suis. Je me demande. Je sais pas ce que tu fous ici. Moi, je cherche des choses, comme je t'ai dit. T'as rien à voir ici. Toi, tu sais qui je suis. Alors, juste pour te dire, je ne sais pas du tout qui t'es. Ah, vraiment? Ah, vraiment? Franchement, ma gueule est vraiment, vraiment cramée, mais bon. Franchement, j'ai oublié. J'ai la mémoire très courte. Tu te rappelles quand t'étais avec Molly, Nina et toi, Eddie? Tu te rappelles de ces moments-là? Mais dis pas, t'étais dans mon corps. C'était dans mon corps ou... Non. Non, je me souviens vraiment pas de toi, alors. Tu vois, la maison, au bord... De la plage. C'est ça, de la plage. Où tombe c'est pas Eden. Non, je te crois, j'ai la gueule d'Eden, là. Il m'a goumé, on s'est goumé entre nous. Mais je sais pas quitter. Moi je connais Molly mieux que tu crois. Ah, c'est brillant. Toi t'es pas une barre de courte à ce que je vois là. C'est Brian, c'est ça? Ah, ok. Je sais pas ce que tu fais ici dans le passé. Moi pas besoin de me dire des choses. J'apprends des choses. Et cherche des choses. Après ce qui s'est passé entre vous et toutes les autres personnes, ça me regarde pas. Oublie pas que Smith c'est un second nom. On a déjà notre vrai nom. Et comment va Molly, toi, tu sais? Je sais même pas où elle est, j'en ai rien à foutre. Oh, c'est bien. Elle peut crever, j'en aurais rien à foutre. C'est quand même ma fille, tu te calmes. Ouais, je m'en bats les couilles de ta fille. Et du coup, pourquoi tu viens me parler comme ça? Je sais ce qui s'est passé, surtout ici, je sais ce qui s'est passé. Je vois aussi ta gueule, ce qui s'est passé aussi. Ce qui s'est passé. Comme je t'ai dit, t'as rien à faire dans le passé, t'as rien à faire ici. Pourquoi je n'ai pas le droit d'être là alors? Dis-moi. Oui, il se passe des problèmes de toi. Oui, oui, t'as un trou du cul. Et tu touches tout. Comment dire? Tu vas dans le passé, tu fais comme à ta sauce, comme le présent, mais pas du tout. C'est toi, tu n'as pas le droit d'être là, mon gars. C'est tout ce que t'as fait, c'est de ta faute. S'il y a des trucs bizarres qui se passent dans l'espace-temps, c'est à cause de toi. Oh, tu trouves. Je sais, tu ne fais une personne, mais bon.
Moi, je suis pas là pour entraîner, je m'en bats les couilles de toi. D'accord. Pas que ça à faire, moi, d'être de vos conneries de balles. Là. Tu reprends tes claques et tu te casses. Tu vois dans le présent. Vas-y, donne-moi le nom de la personne que tu veux citer. Vas-y. Non, c'est pas une personne. À moins que t'aies peur de prononcer son prénom et son nom. Moi, je vais très clairement te les plier. Je sais que tu veux faire comme Davis. Davis Flash. Je sais que tu vas faire comme lui. Mais bon. Ça me peut m'apporte. Non, je vais pas faire comme lui. Je m'en bats les couilles. Mais là, non, je vais pas faire comme lui. Je vais faire pire. Je vais faire pire que lui. Ce monde va être réduit à néant. Oui, si tu as réussi déjà. Mais ce que t'as pas compris, c'est que t'as une personne qui t'est très chère. Et tu sais qu'à tout moment, on peut crever. Ne joue pas avec le fait qu'on va pas le feu par le feu. Qui a dit que j'allais détruire ici cet espace-temps pour avoir ce que je veux en fait. Non, moi je choisis pas la facilité. Je veux que ça soit 10 fois pire. Je veux que ça soit corsé, tu vois. Je veux que de cet endroit-là. Tu dois repasser dans le présent. T'as un portail ici. Bah attends, prends le temps que tu peux. Ça marche pas comme ça, ce portail va pas s'ouvrir comme ça. Une personne t'a donné les connaissances pour ouvrir un portail. Le bon portail. Oui, mais on va dire que... J'attends des gens. Attends. Oh, ça te regarde pas. L'équipe des bras cassés. En chair et en os. Oh là là là, ils sont pas prêts d'arriver. Tu peux te parer. Oui, je suis là, dans le passé. Attends, moi je peux basculer du passé au présent et du présent au futur. Pas de problème. Moi, ce portail, je sais où il est. Alors pourquoi tu restes plus longtemps ici? Comme j'utilise juste quelque chose, j'en ai vraiment besoin. Donc je cherche. Dis-moi cette chose et je pourrais peut-être t'aider. Non, je refuse de ton aide. Ah, tu veux pas de mon aide? Parce que je sais ce que tu veux et ce que tu veux faire ici. Tu sais que je veux quelque chose en retour si tu veux mon aide. J'ai pas besoin de ton aide, je t'ai déjà dit Calvin. Je marche pas avec le mal. Je combats le mal par le mal. Ouais, malheureusement le mal par le mal, ça fait pas toujours bien effet. Ah là là, allez, prends le portail, Calvin. Va récupérer ta compagne là. Va grandir. Je dis une seule chose. Je croise mon chemin, c'est comme trouver la morte à mes pieds. J'aime pas te faire du mal, Calvin. C'est pas mon but. C'est pas mon travail. Je suis pas ton père. Ça ne m'apporte rien. Donc des trucs, je m'en bats un peu les couilles. Moi, je veux juste un seul truc. Arrête tout dans ce monde de... Et va de l'avant. Je m'en fous si tu dis ton... Je m'en tape, c'est pas mon problème. Oui, je vais aller de l'avant, mais en détruisant. Pourquoi pas faire les deux choses en même temps? Mais je ne vais pas détruire ton espace-temps, chérie, trou de balle que tu es. Je sais, c'est quelqu'un... C'est ça que t'as pas compris. Ça, j'ai très bien compris. Si tu détruis l'espace-temps, c'est comme détruire... C'est quelqu'un que tu aimes. Alors retourne dans ton présent. Non. Moi, comme je t'ai dit, j'attends quelqu'un. J'attends des gens. Je m'en tape des gens. Et ça, c'est pas autiste, non. Mais comme je t'ai dit, t'as rien à faire dans le passé. Moi, je prends mes choses, mes trucs, et je prends mes clics et mes claques. J'ajoute quelque chose, après je me casse. Putain, t'as besoin de retourner dans le passé pour prendre tes choses. Tes objets. Non, parce qu'il y a ici qu'on trouve. Oui, bien sûr. Oui. Y'a pas un animal dans le présent? Si. Bah pourquoi t'y vas pas? Pour trouver tes trucs?
Non, comme j'ai dit, c'est des trucs qui sont plus dans le présent. Donc je viens ici. Mmh. Ah là là, qu'elle est vite. Mais tu sais que même prendre un objet dans le passé, ça peut changer le présent. Espèce de débile que t'es. Non, parce que c'est pas une chose que je recherche. Cette chose est devant moi depuis très bien longtemps. Mais du coup, j'ai pas le temps à perdre pour toi, Calvin. Prends tes trucs et casse-toi. Va-t'en. Je suis pas ton chien, je suis pas ton pote. Je suis pas ton frère. Comme je t'ai dit tout à l'heure, t'as rien à faire dans le passé, alors dégage, prends tes clics et tes clacs comme tu m'as dit, dégage. Déjà, tu prends tes clics et tes clacs toi-même, tu te casses pour ton kiff. Oh, tu t'es greffé une paire de couilles. Tu t'es cru pour Aiden Flash. Oui, parce que lui, il a plus de couilles que toi. Tu veux que je le ramène ou quoi? Tu sais, je lui ai parlé, il a passé la main gauche. Il a dit que c'était plus son dû et qu'il s'en battait les couilles maintenant. Bah moi aussi, je m'en bats un peu les couilles de toi. Donc je vais pas me casser les couilles. Ouais, dégage. Attends, alors que tu peux encore. Je penserai plus tard. J'ai pas le temps. Attends, tu peux encore. Avant que tu sois... Comme Edigir te l'a toujours montré, tiens. Mais bien dans ton cul. Oh, il est en colère. Mais il est complètement con, lui. Mais il est complètement con, cet homme. Il a pas capté une chose, lui. Il a pas capté, lui. Il faut l'enculer, mais il a pas compris que s'il détruisait là, il y a plus de moyen qu'il retourne dans le présent. Il est con, lui. Mais faut le baiser, ce mec. Faut le baiser. On va attendre les autres zigotos là. Au revoir. Ouais, c'est ça. Hasta la vista. Et comme j'ai dit, pars quand il est temps. Et moi, comme je t'ai dit, va te faire enculer. Oh, tu peux bien attaquer. J'aspirerai toujours ton attaque. C'est de l'énergie gratuite. Moi, je crache pas dessus. Hein. Mais Duncan, il a mis un message, mais frère, il... On est toujours dans le passé, on n'a pas fini l'event. C'est ça qu'il a pas compris, Duncan. C'est que là, faut retourner dans le présent, en fait. Faut qu'il retourne dans le présent.
Ah, attends, j'ai vu le gros là, Naïm Prime. C'est Kylian, non? Mais qu'est-ce qu'il faut habiller comme ça, lui, ce Zub? Ah oui, c'est l'event à... Merde, attendez. 1-2-1-2. 2-3-2-3. Voilà. Parce que là en fait le problème c'est que là ils veulent trop avancer les choses. On a même pas fini l'event. L'event il est même pas encore terminé. Les gens ils ont même pas. On est même pas retourné dans le passé, dans le présent, que ça y est ils finissent l'event. Dinguerie ça. Putain. On attend, du coup, on attend. Après, comme on dit, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Donc, est-ce qu'il y aura allié entre Mylon, Liam et tout le tralala, ça, faut voir. Oui, tonton Liam. Tonton Liam, Gir. Je suis du gros bâtard. Mais en soi, faudrait voir dans l'avenir. Mais après, mon perso s'en bat complètement les couilles. En soi, on est dans le passé là pour l'instant. Donc moi, j'attends les autres. J'attends qu'on retourne dans le présent. Et puis, on va avancer de toute façon. On va avancer sur l'histoire de Calvin. De toute façon, dans l'histoire, il sera... Bon, il y aura une histoire où, il va vouloir détruire le monde, quoi. C'est mon perso qui reprend quand même la relève de le projet quoi de Davis. Donc en soi voilà. En gros, mon perso c'est un peu un Jayden mais plus méchant quoi. Mais putain d'échelle de mort, putain. Alors je fais un petit jeu d'autiste, regardez, tac. Tac. Petit jeu d'autiste. Tac tac. Mais après ouais. Faudrait voir si je fais l'alliance avec Mylon, l'IMJR et tout. Wesh. C'est quoi c'est... Il me sort quoi comme musique lui? On n'est pas au Far West hein. L'autre il me sort une musique de Far West, je vais péter mon crâne. Ah mais c'est une annonce. Wesh.
Luc. Non mais dis pas, il y a tout le monde là-bas, attends, je vais péter mon crâne. Mais lui, faut l'enculer, lui. Faut l'enculer à être là, lui. Ta-ta-ta-na-na. On zigzague. Ah, c'est bon, j'en ai marre de courir. À un moment donné, il faut aller sur mon cul. J'en ai marre de faire des allers-retours, c'est bon. Hein. À un moment donné, moi, je suis pas une brouette. Hein. Allez, cours, espèce de zone, mec, va. Putain, Calvin, t'es lent. Hein. Là, t'es pas un flash, t'es un flasque, là. Et on se voit pas, toi. T'es plus dans le passé, toi. Nikoumouk. Non mais je suis retourné. Ouais, vas-y. Ah voilà, il est là, Charles Dassault ou Charles mais mes couilles là. Oui, comment il s'appelle, Charles? Moi, Charles mes couilles. En gros, je t'explique. Ma technique, ouais. elle m'a coupé en comme si tu vois, elle m'a coupé en deux et ça fait comme un sort d'aimant. Et moi, ça m'a un aimant quand il a besoin de se réunir, bah. En fait, mais en fait, il s'est passé quoi? Bah c'est frère, lui toi on t'a plus jamais vu, toi t'es venu avec nous et pouf, disparu. Non, t'inquiète. Ah là là là, du coup y'a qui d'autre qui vient, du coup là, ils sont arrivés les autres ou quoi ou... J'en sais rien, tu m'entends comment là? Le mec il nous voit bizarre. Ok, bah c'est parfait. En tout cas, très jolie la tenue, je kiffe. T'as vu, j'ai extrêmement d'originalité. Franchement, moi. Ah, ça, j'ai encore toutes mes armes. Super. J'en ai profité. Alvaro. Ouais, mais là, on est toujours dans le passé, là, hein, les gars. Oui. Bah, ouais, mais tu convaincs quoi? On va rentrer là. Il faut qu'on ramène les autres. Du coup, toi, Charles, tu vas venir avec moi. On va prendre une voiture. On va aller chercher les autres en Kuruma, ok? Oui, je viens ou quoi, quoi. Allez, attends. Ah, t'es avec nous, toi? Est-ce que je me ramasse ou pas? C'est moi, Calvin. Ok, Calvin. Allez, pas, bon, on y va. La dispo comme un PNJ, jamais revenu. Il s'est passé des choses. Et bah, moi aussi, j'ai failli me faire casser la gueule par un militaire déjà. Ah, ouais, putain. Je l'ai tué, je m'en bats les couilles. C'est moi le plus fort. J'ai carrément tué le militaire. Je sais pas, le mec, il est venu là. Bam! Est-ce qu'il faut se masser ou pas? Et pourquoi t'es en blanc là? Ah, je sais pas, j'ai changé vite fait de vêtements. Tu veux voir ma gueule? Casquette, Mike, t'es un masque sur la tête. Bah viens, regarde ma gueule. Il s'est passé quelque chose ou quoi? Ah! Et encore c'était pire avant. Ah, je comprends mieux. Tu t'es fait torturer, c'est ça? Ok, je comprends mieux. Non, c'est pas ça. Blaro, on met un masque ou pas ou... Vas-y, je prends une pour moi. Ok, j'en ai une. J'ai la mienne. Bon, attends, je vais les appeler. Ils vont venir, la suite du groupe. Attends, je prends la Kuruma. Il faudrait que je prenne ton numéro parce que j'ai juste mon téléphone. Blaro. Oui, je prends ton nom. Par la voix bizarre. J'ai plus ton nom. Parce que j'ai jeté mon téléphone. À cause de l'armée. J'ai peur, Calvin. Non, mais c'est parce que j'ai dû faire un truc et ça m'a niqué. Oui, allô, tu m'entends? Écoute, il s'est passé quelque chose, quelques petits malheurs là, il y a quelques jours, ok? On s'est réconcilié avec Emiliano, mais c'est compliqué, faut qu'on explique. Tu viens au Human Labs, on va s'en aller, tout passer de merde, ok? Emiliano, il nous attend tous là-bas.
Vas-y. On doit aller chercher un courroie ou pas? Ah non, ils arrivent finalement, ils arrivent. Ah, ok, okay bah, je les enlève. Vas-y, je vous donne mon numéro, les gars. Vas-y, comment pourquoi je te donne pas mon numéro? En vrai, Charles, t'es vraiment un perso de PNJ, toi. T'étais pas t'es un PNJ, toi. Ouais, mais m'en bats les couilles, quand même. Ça, c'est à cause de moi en plus que t'as fait ce oui, perso. Oui, clairement. Pardon, je bégaye comme un porc, mais. Ouais, c'est à cause de toi, mais c'est pas grave. Tranquille. Putain, eh hey, les gars, vous êtes pas contents de retourner dans le présent? Eh hey, les gars, j'ai rencontré une fille là, franchement. Bah en vrai, dis-toi que moi j'ai clochard. J'ai rencontré une clochard là. J'étais retourné dans le présent. Tu veux l'amener dans le présent? Non, non, je l'ai rencontré. En fait, j'ai fait un petit retour dans le présent vite fait, tu vois. Et j'ai rencontré une meuf là au bord de la route, c'était une petite clocharde. On va l'aider. Je vous la présenterai après si vous voulez. Ouais, en parlant de revenir dans le présent, moi. T'as besoin d'une meuf, je te la présente si tu veux. Attends, regarde ma gueule. Regarde bien ma gueule. Non, j'ai un date tous les deux. Non, moi je suis déjà en couple, moi. Elle s'appelle, attends, je te dis comment elle s'appelle, attends. Ah, Nikumuk. Elle s'appelle Meina. Ouais, Nikumuk. La présente si tu veux, c'est pour toi, Calvin, avec ta gueule brûlée. Gueule de bébé, non. Ah, ok. Bon, bah. Et toi, Charles, tu veux la présenter? J'ai un couple, en plus. Oh, laisse-moi. Je suis battu, connard. Dans ton cul. Frère Charles, il va rester une seule fois, après on va plus le revoir. Si, en vrai, des fois, je gênerais. Ok Charles, bon bah tu vas pas la pécho. Par contre, crois-le, je retourne à Caillot. Pas que ça à faire. Puis pour l'instant, j'ai besoin de ce masque pour respirer. J'ai une autre optique maintenant. C'est fini. Ouais, tu vas payer Caillot aussi, toi aussi. Ouais, c'est bon, ça tape, c'est bon. Frère, laisse-nous faire notre vie. Hein. Wesh Nawax. Mais wesh, wesh, mais je suis le reviver de tout Twitter Stick ou quoi. Je sais pas c'est qui. Comment ça parle? Vous entendez pas quelqu'un dans ma gorge? Non. Ok, c'est bon. Pourquoi? Pas pour le moment. Hein, la lune. Comment ça y'a quelqu'un qui parle? Hein, la lune. Comment ça la lune? Y'a pas de lune dans ma gorge. Ouais, bien sûr. La lune. C'est là, wesh. La lune. Vous nous avez abandonné, bande d'enculés. Attends, j'arrive. Vous êtes des enculés, voilà, vous êtes des enculés. Non, attends, viens pas. Non, tu viens pas. Viens pas, on est bien tous les deux là. Ouais, ça vient sur mon live que pour être revive. Quoi. Putain, si j'aurais su, je serais même pas retourné dans le présent avec ma propre technique. Elle était même pas parfaite en plus. M'a complètement bousillé le corps. J'ai failli baiser l'histoire. Ils viennent quand du coup? Bah ils arrivent en voiture. Putain, ils sont lents. Hein. Parce que moi j'ai pas Flappy Bird. Eh, dis à ton amoureux là, le mec là, écoutez, comment il s'appelle Charles là, de nous laisser tranquille, moi je suis tranquille là. Yes. Dis-lui de défoncer la porte de son cerveau et de lui crier dessus.
Putain. Faut dire qu'avant j'avais une tête de couille. Bon, j'arrive deux secondes les gars, ok. Vas-y, maintenant j'ai une tête de couille. Ils arrivent, vous leur dites de m'attendre. Et que Emiliano il va bientôt arriver. Putain. Il va falloir qu'on enfile nos tenues pour repartir dans le passé. Donc, sérieux? Moi je peux pas. Hein. Ma tête elle rend pas là. Bon ouais, ta tête ouais. Bon allez, je reviens. Putain, mais je suis l'enculé à pas débiler les véhicules, hein. Il me tend, ce mec. Ah bah enfin. Ah bah vous êtes enfin là. Ouais. Ouais, désolé. Putain, il manque du monde ou quoi? Je sais pas. Eh dis-toi, maintenant je suis devenu un shiny. Hein? Je suis devenu un shiny. Ah ouais? Regarde. Ok. J'étais une couille blanche, maintenant je suis couille noire. Ah. Super. Pourquoi vous nous avez appelé du coup? Bah, on va retourner dans le passé. Enfin, dans le présent quoi. Ah, c'est tout? Ouais. Ok. Super. Ah, moi, vous voulez rester ici, hein? Bah. Ah, ça y est. Attends, y'a des Emiliano ou quoi? Ça va. Ça va et toi? Mais t'es con ou quoi, Salvaro? Ah ouais, mais on dirait il ressemble pas à Emiliano. Chemise bleue, Alvaro, chemise bleue. Ah ouais, c'est vrai. Comment ça, chemise bleue? Ça va ou quoi, toi? Ça fait longtemps. Ouais, putain. Oh, j'ai mal de partout. Je vais aller au coiffeur après, par contre. Hein. Il y a deux jours, j'étais bah, du coup avec Alvaro. Et on s'est battu contre mon grand-père, là. Ouais, mon grand-père. Pourquoi tu t'es battu contre lui? Tu vas pas me frapper. C'était pas vous follow. C'est gratuit. En fait, voilà. Je me suis dit que. En fait, tu vois, d'éviter tout ce qu'il a fait. J'ai tout niqué. Tout ce qu'il allait faire, tout ce qu'il continue à faire. Ils se sont battus, ils ont fait un camembert. J'ai voulu tuer Owen. Ils ont gagné. Pas du tout. Je sais pas qui a gagné. Sauf que quand je suis allé dans leur maison, Owen, au lieu d'être un pré-adulte, au lieu d'avoir 18 ans, c'était un bébé de quelques mois. Mm-hmm. Je le vois et tout, je me dis mais c'est pas possible. Déjà il était pas censé avoir 2 mois, il était censé être presque adulte. Ouais. Qui a un problème. Je prépare pas du tout les musiques. Hein. Je vois pas de quoi vous parlez. Du coup, je l'ai pas tué parce que je tue pas des enfants. Et le problème, c'est qu'après, le papa du bébé, c'est mon grand-père, donc Eden Cortez, qui est 114. Mmh. Et je me retourne, il est devant moi. Je fais ah, bonjour monsieur, tout. Genre, j'essaie de trouver des excuses, etc. Et tout. Yo, mamaï. Bah après je finis par lui casser la gueule et après je finis par me barrer et au final il nous a retrouvé Alvaro en premier. Et donc il a tué Alvaro entre guillemets. Quoi? Oui non mais t'inquiète, il a réussi à survivre, je l'ai aidé. Je lui ai filé un petit coup de main, mais il l'a tué en vrai. Et du coup après. On est allé le voir dans sa petite base et on lui a cassé la gueule. Enfin voilà quoi. Waouh, ok.
Ah ouais, je t'assure, j'ai mal de partout, putain de merde. Ça fait du bien. Enfin voilà quoi. Belle semaine, belle journée quoi. Je vois. Ah putain, Elio, t'es beau comme ça, tu sais. Non, je vais aller mettre une perruque. Ah bah ouais, je vois ça. Putain de merde. Ça fait extrêmement plaisir de te voir quand même. Ouais, le plaisir est partagé. Hein. Je parlais pas à toi, Guignol. Ah merde. Et alors... Pour moi aussi. Ça fait plaisir de te voir aussi. Mais je suis quand même content de la retrouver, c'est quand même ma femme. T'es pas ma femme, toi. Oh, putain. Ouais, bon. Là, je ressemble à un Malteser, donc ciao. Non, non, mais reviens. Reviens. Attends, laisse-moi respirer. Qui se pendit que... là-bas là? Oh, j'ai mal. J'ai mal de partout. Ouais. Pourquoi il est déjà... C'est qui ce C'est qui ce pendit? C'est le petit 14 piges. Bon, là c'est Calvin et ça c'est Charles, le gros PNJ. Mais il a pas compris, Lloyd, il est mort. Yo. Ah, c'est pas c'est qui lui? C'est un PNJ. Si j'ai cheveux, moi. Il dit qu'il s'appelle Lloyd, mais c'est pas possible. J'avoue, Lloyd, il est mort. Frère, ça fait 40 fois il meurt. Laisse-le mourir, non? Et d'ailleurs, toi, ça te va ou pas le nouveau truc de vêtements où tu trouves qu'il y a. C'est Miles alors, si tu comprends moi pas. Ouais. Toi. Non, il est carré, merci. Hein. C'est moi qui ai eu l'idée. T'en as mis un nouveau. Ouais, c'est lui qui m'a donné le truc. Et parce que après, celui que j'ai mis, il était nul apparemment. Par contre, tu fais la grimace là, je crois. Eva. Donc, ouais. Putain, j'ai mal. Après, c'est les mêmes vêtements, hein. C'est juste. Oh, Eva, reviens. Ouais, viens, putain, mais il est bien, franchement, il est bien. Ah, d'ailleurs, quelque chose à dire. Un petit saut. Ah, non, rien. Zandane. Ah, putain, attends. Les choses du passé restent dans le passé. Ouais, je sais pas. T'as fait quoi comme connerie encore? Putain, je me suis pas. Mais tu voulais dire un sacré asthme en tout cas. Hein? Je voulais même retourner un coup dans le présent. Non mais c'était une histoire avec qui et qui? Et après je suis revenu quand même vous chercher. Bah le truc là, le monstre. Tout le monde. Monstre. Ouais parce que je sais pas de quoi il est devenu en fait. Ah, le spectre. Ouais le spectre bizarre là-bas là. Je pense qu'il va nous détester. Oh bah il m'a attrapé, il m'a dit tu vivras là-haut sinon je te fais disparaître. Bah voilà. Mais c'est qui là en fait? T'es un machin, je sais pas. Ah, ok. Attends. Chuchotez, s'il vous plaît, chuchotez. On va dire, j'ai essayé de retourner dans le présent avec ma propre technique, je me suis baisé moi-même. Ah, mais je t'ai croisé à l'armée, quoi, toi, non? Oui. Ah oui, je me rappelle. Par contre, je vous ai aussi observé toute la semaine et vous étiez vraiment pas discret. Hein. Ah. Toute la semaine? Ouais, moi j'ai beaucoup dormi. Les gars, vraiment zéro. Ah, ok. Désolé, j'ai un peu des problèmes de gorge en ce moment. Je vois ça. T'es asthmatique? Oui. Franchement. Non. Le tatouage que j'ai sur le battre de votre dos était vraiment bien cramé. Surtout quelqu'un qui montrait bien son dos hier. Ah, ouais. Le... C'était vachement bien cramé en fait. Hein. Hein. Oui, ouais, j'ai oublié de le dissimuler. Eh voilà. Et toi, espèce de trou de balle avec ton arme sur le torse. Ton arme sur le bas du torse. Parle moins fort là, parce que sinon je Charles, espèce de sale PNJ. Déjà, t'as un prénom de PNJ. Je t'emmerde. Baisse ta gorge, baisse ta gorge. Je t'emmerde, Alvaro. Toi, avec ton tatouage sur le bas du ventre là. T'as failli nous baiser, enculé. Ouais, frère, tu parles dans tes chiottes ou c'est comment? Ouais, tu parles dans tes chiottes ou quoi? Mais. Y'a un écho! On l'entend au bout du van là. Ah, je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il l'a mis dans sa gorge. Allez vous faire enculer, frère. Franchement, les gars, franchement, je vous ai observé, hein, mais de très loin, mais je vous ai surveillé, mais. Ah ouais. La discrétion, vraiment zéro. Franchement.
Tantôt j'étais bien cramé. Mais tu juges, pourquoi t'es pas venu hein? Parce que... Il était là. J'étais là. Il était là, mais toi tu le voyais pas. J'étais là en mode discrétion. Parce que moi, je connais quelqu'un dans l'US Army qui peut me faire cramer, quoi. En gros, il y a son antécédent, voilà. C'est ça. Je peux me faire me cramer à tout moment. Du coup, je ne pourrais pas, mais j'étais quand même là. Comparé à son ancêtre, lui, il n'a pas une tête de pierre. Mais pas ma faute. Moi, c'est différent. Pas ma faute. Hein. Écoute, voilà quoi. Mm-hmm. Mais non, vraiment, si j'allais là-bas, j'allais soit me faire tuer, soit me faire autre chose. Donc, mauvaise idée. Mais je suis surveillé, j'étais quand même à côté de la prison. En vrai, de vérité, on n'aurait pas vu le changement si tu serais mort. Mais je t'emmerde. Ouais, je sais. Dire que je suis là. Moi aussi, je t'aime. Non, moi, je t'aime pas. C'est du sarcasme. Mais, voilà quoi. Je préfère être tranquille, mais sinon, je vous ai surveillé. Mais la prochaine fois, si on fait un truc comme ça, cache ton tatouage. Jamais, je viens plus. Tu crois, moi aussi, je viens plus. La dernière fois, je l'ai dans un trachée. T'as une gueule de bois, voilà. Une gueule de bois, c'est une gueule de bois, là. C'est feu de bois. Mon gars, là, c'est charbon, là. Charbon cramé, là. C'est feu de bois. Putain, mais il faut que je le remette, sinon je respire pas. Ouais, j'ai mis un filtre dedans. Parce que sinon, je peux pas respirer. Non, je te montrerai pas. Attends, je te la montre vite fait, mais vite fait. Faut t'as une tête. Alors toi, si tu veux pas que je te fasse la même tête que moi, arrête de rigoler. Parce que ça peut vite prendre un chalumeau, mettre 2000 degrés dedans et te cramer le crâne. Tu m'en parles Lloyd, mais t'es pas Lloyd. Reste là où t'es. Lloyd, il est mort depuis 1985. Mais toi, t'as pas capté, moi j'étais là quand il est... Voilà quoi. Oh Calvin, le... Oh putain, la chaîne que t'as... J'arrive même pas à courir, bordel de merde. La chaîne que t'as, c'est un truc militaire, Calvin. Ferme ta gueule, parle doucement. Oui, justement, je l'ai volé. Désolé. Bah oui, enlève-le, ça fait... Je l'ai volé, je l'ai plaqué avec mon prénom et mon nom. T'es vraiment teubé, toi, tu vois. Ouais, mais bon, c'est quand même un truc d'armée. Bah écoute, y a pas beaucoup de métal dans notre présent, donc autant qu'on se plaque nos... qu'on fasse nos plages et... Ouais, je comprends. Alors, tu gardes en souvenir, garde. Bah oui, je le garde en souvenir, c'est pour moi. Bah, allô, alors. Sinon, on touche la douille. Bah, je sais pas. Attends, est-ce que j'ai encore des munitions, moi? Eh oui, j'ai encore cette. Mais je vais t'enculer. J'adore. Attends, mais c'est lui qui a 14. Non, là, ouais, t'as flop là. Ouais, bon après Alors toi, je vais te faire la tête au carré, toi. Je me casse, c'est mort. Comment ça, toi tu me kills, toi? Voilà, t'as raison, vas-y, c'est lui. Attends, je vais prendre un chalumeau. C'est pas moi, la pile. Passe ton crâne. Comment ça, moi tu me mets à terre? Passe ton crâne. C'est qui ça? Oh non, je suis trop fort. Et il se décalait pas, il l'aurait pris dans la tête. Ouais, ah ouais, attends, mais. Ah ouais. Tu viens? Non,
Non, non franchement, franchement, ça c'est des heures passées sur R6. Ça. Moi je vous dis. Putain, j'ai mal au code. Sa grand-mère. Ah. Pourquoi je finis toujours par être blessé, putain. Non, non franchement, bien joué. Joué. Venez, venez, venez. Putain, de bordel de chiottes. Bordel de cul. Que t'as la gorge dans ton cul, quoi. Putain, ça va, Ned. Non. Non. Ah si. C'est qui Ned? C'est lui là. Je m'appelle pas Ned. Ned. Non. Non, non c'est pas nouveau, mais c'est Ned. Non, mais je sais que c'est pas nouveau, mais c'est un nouveau quoi. Oui, c'est enfin, nouveau, c'est un Ned. C'est pas un nouveau, ouais, mais c'est... Blanc, lui. En fait, c'est juste qu'on l'appelle Ned parce qu'il. Il sait très bien pourquoi on l'appelle Ned. Mais sinon, oui, oui, c'est ma tenue, c'est ça, ça oui. Il s'appelle Calvin et c'était un mec avec Alvaro quand ils sont partis. Quand vous êtes parti. Okay. Lent. Bah, je suis lent, forcément connard, j'ai des côtes brisées. Ce chien. Et c'est pas, le couteau le plus aiguisé. Eh oui. Ma gueule ou quoi, je suis lent. Bah oui. Mais t'as cassé la gueule par un robot là, frère. Fait 400 kilos ce fils de chien. T'es battu contre Goldorak ou quoi? Mais non, contre 114 là. Charles, voilà, Charles il t'a poutré. Mais du coup, ton grand-père, rigole, il est plus là? Avant Charles. Si, mais on l'a laissé KO dans son QG de merde là. Oh non. Choubidou à la crème, Charles. Merci. Ah mais non, c'est mon petit choubidou à la crème. Hein. Je vais aller le récupérer. Vous êtes gay? Par contre, tu viens plus jamais dans ma voc. Voilà, tu fermes ta gueule. Maintenant, tu viens plus, vous venez plus. Non, pourquoi? Attends, j'arrive. Alors j'arrive, alors là, faut pas me dire ça. Non, non. Cassez-vous, ouais. Cassez-vous, non, on non, est non. Bien là, cassez-vous. Je me barrerai pas. Vous avez en plus, vous l'avez abandonné tout à l'heure, je vous en veux, je vous fais la gueule. Tu disais quoi? Ah, parce que maintenant tu t'en veux pour elle. Je disais, vous l'avez abandonné. Ouais, vous l'avez abandonné. Oh, allez, on se casse. Allez, on se casse, allez. Oh. Regarde, vas-y, abandonnez-nous encore, vas-y, allez. Allez, on se casse. Non, moi je vais juste me mieux, quoi. Ok, bah, chasse-la alors. Oh, bah, alors là. Oh, Mathéo, t'es vraiment un suceur. Arrête, je vais finir par tomber truine. Vas-y, essaye. Non, c'est faux. Pourquoi on a le même tatouage d'ailleurs? On a les mêmes tatouages. Mais. Quoi? Sur les deux joues, regarde. Les deux joues? Ah ouais. On a les mêmes tatouages. On a les mêmes goûts. Ouais, vraiment. Je crois que c'est ça. Si. C'est un suceur. Un gros fils de chien. Ça se prend de la bouche. Écoute un minute. Eva d'ailleurs. Ouais. Kylian, tu t'en sors avec ta. Ah. Non. Il aime pas trop en parler en public, je crois. Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié ça. Bah oui, il a une foufouille maintenant qu'il vient. Quoi? Comment ça? De la mamie de 90 ans. Comment ça? Comment ça? Mais déjà, Jacqueline. Oui, comment ça? Ah non, c'était pas Jacqueline, c'était. Eh, viens, Odette. Jacqueline! Odette. Viens, Odette. D'ailleurs, Alvaro, on t'a pas dit. Kylian, il a fait une opération pour se faire agrandir le. Voilà. Et sauf que bah ils ont raté et ils ont dû lui couper et du coup maintenant il a une foufouille. On t'entend pas Alvaro. On t'entend toujours. Parlez pas. Ah. Voilà, du coup il a une touffe. Allez viens ici. Allez. Bah oui, allez relève-toi allez. Allez Foufouman. Dans le présent. Okay. Allez Odette allez. Allez. Claudette. Non c'est Odette hein. Odette, allez. Oh, autant qu'on l'appelle Danette. Et relève-toi la côte de Taras. La côte de Taras, là. La côte de Taras, là. Putain, cassez les couilles. Oh, putain. Bon, oh, mettez-moi les tenues, là. Les grosses tenues. Non, pas toi, du coup. Je crois y'a pas. Hein. Moi, je crois y'a pas. Hein. Moi, j'ai pas besoin de tenues, moi. Bah, non, nous trois, on en a pas besoin.
je crois que et je suis et pas Calvin sûr Klein aussi, je crois. Bon, le reste, mettez-moi une tenue. Ouais, tous ceux qui résistent pas aux flammes, votre vie, tenue. Vous la mettez. Si. Non. Tu me mets une tenue, allez, dépêche-toi. Vous mettez la grosse tenue orange. Mais je crois qu'on a plus la grosse tenue orange. Si, vous l'avez. Et bah, vous mettez autre chose, vous mettez un casque de cosmonaute. Vous me la mettez la tenue, je vais rassembler. Un casque de cosmonaute. Ouais. Ça, c'est bon ou pas? Non. Bah, non. Vous mettez celui de GTA Online, voilà. Mais vous l'avez plus la tenue? Non, y'a plus, y'a plus dans le PA. Y'a. Ah, y'a, bah voilà, y'a. Y'a. Donne la référence. C'est dans les 600. Dans les 500-600. Et va aider Kylian, s'il te plaît, il est pirageux là-bas. S'il te plaît. Putain, mais c'est vraiment un PNJ. Il est au fond là-bas, il est parti là-bas là. Mais c'est vraiment un PNJ ce mec. Allez. On va mettre la tenue. Allez au galop. Allez, on met la tenue. On met la tenue, allez. Non, tu mets orange. Putain, mets ta tenue, attends. Voilà. C'est 615. Kylian. Ah, je sais pas compter. Ah oui, c'est vrai. 615. Avec quoi? Il a du mal à faire pipi et tout. Il a les backroom. Ah oui, t'inquiète. En plus, il m'a dit. Allez, c'est parti, on va faire la vidéo du Next Tag. Ok, je sais pas comment faire. Ok. Eh, mais ta tenue, toi, Yann. Ouais. Tiens, je te donne le truc pour mettre tes tenues. Dites-lui, c'est combien sa tenue? 608. Let's go. Attends, y'en a un, il a pas mis de camp. Hatai. C'est Charles, là. Putain. Oh putain. Attends, enlève. Viens avec moi, toi, viens avec moi. Enlève. Non. J'ai pas vu, j'ai pas eu le temps. Enlève. Y'a rien. T'as dit quoi? Ah, ok. Du coup, il y avait un ficello. Bon. Tu prends quoi? Vous allez pas cool ou vous allez la vidéo du Knot? Oui, après, bah oui, elle vient avec moi. Let's go. Alors. T'arrêtes de faire des doigts, toi. Je t'en foutre une. Pourquoi y'a plus de porte? Si, y'a une porte, y'a une porte. Toi, tu la vois pas. Je la vois pas. Regarde, tu peux rentrer, regarde. Non, on ne voit pas dedans. Si, regarde, tu vas me voir dedans. C'est bon? Là, regarde, je suis dedans. Non, t'es pas dedans. Hein. Bah si, regarde. C'est toi, Wesh, il a des problèmes. Patate, strassote, Bluetooth. Bon, c'est pas ça là. Putain, mais il faut lui apprendre. Ah, mais il est long, putain, hein. C'est la grosse orange là. Putain, mais il est pire qu'une femme. C'est combien? Je sais pas. Oh les gars, c'est combien? Et le pantalon, tu fais 108. Pantalon, il est combien? Il laisse comme il est. Laisse comme t'es, voilà, tu valides. Tu valides. De toute façon, avec la combinaison, il y a le pantalon. Donc, Tu valides. Oh bah, on y va. Hein. Alors, ah, les petits bacs combien? Mais dedans, non? Comment t'as les bouts? Vas-y. T'es prêt? Va dedans. Ah, tu vois, au moins quelqu'un qui respecte son masque à gaz. On a bien détaillé. Qui fait. Oui. Faites comme lui, allez-y, respirez dans votre masque. Ah ouais, Thomas, il est un peu. Il est un peu bouché. Il crie un peu, c'est pas grave. Et c'est Charles, lui.
pas si t'en fais 10. Ouais, de toute façon, il sera avec une fois. Plume, plume, ça sera toi qui viendra au 2, 3, 1, 2, 3. Ah merde. Bon, c'est qui? Il y en a qui va pas repartir, je crois. Ça va, vous? Ça va, toi? Ça, t'es sûr que ça va, toi? Attendez, je vais la porte pour Kylian. Allez, dehors! Kounir maman au coup, panier de mal. Mais putain, j'en ai marre de revive! Il faut que je reste ici, tranquille. Pas fait moi chier là! Ma vie, écoute, c'est moi qui me sacrifie. Putain, couche panier de mal. Moi j'étais mort. Couche panier! Panier! Mais il est con lui, y'a un masque à gaz, espèce de trou de balle, mais il est complètement con lui! T'es con, t'es con! Mais comment ça tu baisses la vie? T'as cru que c'était une... T'étais une porte ou quoi? Mais vitré le frérot. Youhou! Vous êtes prêts? On est prêts? J'ai hâte de rentrer à la maison là. Oh. Ah. Oh merde, c'est bizarre ça. Allez vite là, je veux retourner à la maison. À la maison. Je veux retrouver ma maison. Allez, je veux. On a compris. Bon. À tout à l'heure. Ah bah ça c'est un détail que t'avais oublié. Let's go. On est retourné. Vous êtes enfin arrivés. Vous allez tous mourir. Tous. Bon allez, au revoir tout le monde, moi je vais retourner. Merde. Au revoir, hein. C'était un plaisir de vous avoir connu. Ouais. Au revoir. Bon, salam alaikum. Ah bah enfin, je vous attendais. Ah. C'est qui parle? C'est Eden. Oui. Non, jure. Ouais, Eden, maintenant c'est bon, on a notre vie, hein. Laisse-nous tranquille, au revoir. Vous foutez de ma gueule. Bah ouais, on s'en bat les couilles de toi maintenant, allez, au revoir. Oh. Attends, il est où Eden? Vous êtes combien? On est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un truc comme ça. Et j'avais dit quoi? Ah oui, il doit y avoir un sacrifice.
Bon bah y en aura pas, on a niqué le monde. Allez, yes. Allez, une temporalité de plus niquée. Non, non mais attends, y'en a un, il veut se débrouiller. Non mais elle était déjà niquée la temporalité. Et vous savez ce qui va se passer là? C'est que moi j'en ai rien à foutre, je vais rester dans mon petit range, tranquillou, pépère. Non, avec moi, je veux venir. Non. Non, je vais rester dans mon petit ranch. Et vous savez ce qui va se passer? Le petit voyageur temporel, le vagabond, il viendra vous chercher. Parce que vous avez niqué la temporalité. Non. Bonne à vous. Eva, Alvaro et Emiliano, vous êtes en sécurité. Il vous attaquera pas. Ah ouais? Les autres, vu que vous avez pas de pouvoir, force à vous. Et on sera là pour les protéger, c'est pas grave. Moi je retourne sur la Netflix. Allez. Vas-y, au revoir. Vas-y. On les va les protéger. Bon. Assalamu alaikum. Bon bah moi, je dis force à vous. Je vous aime. Assalamu alaikum. Attendez, les prenez les numéros de tout le monde parce que j'ai pas tenu les numéros de tout le monde. Il veut prouver quoi lui, Lloyd là avec ses muscles? Tiens. Lloyd il va disparaître, pour ça il va disparaître depuis longtemps. Hein. Voilà. Donnez tous vos numéros. C'est muscles inexistants là, Lloyd. Voilà. Attends frère, attends, j'ai trop de numéros là d'un coup. Attends frère, attends. C'est bi. Voilà, moi je dois y aller là. Attendez, j'ai trop de numéros parce que là, hop, hop, tac, hop, 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 hop. Vous prenez pas le numéro de madame si on vous défonce. Compris. Calvin, j'ai ton numéro. Charles, moi, j'ai pas le numéro ton numéro de madame, moi je l'ai. Bon, allez, allez. Taras, t'as plus son numéro. J'ai Alvaro, j'ai Emiliano, j'ai Kylian, et j'ai pas Elio. J'ai pas Lloyd. Il me manque Charles là, ce con là, il me donne pas son numéro. Et j'ai pas Charles. Allez, je vous laisse moi. A plus. Bon, Charles, c'est à mon casque. Allez, profitez moi de la plage. Bon, Charles, donne ton numéro le casse là. Elio, passe. Non, je l'ai pas reçu. Non, là, j'ai pas. Appelle quand t'as besoin de moi, Emiliano. Moi là, je vais à la plage. Allez. Bah ouais, bah on va. Charles, la compte de tes morts là. Mais si, mais j'étais moi. Et moi je t'ai pas. Pas. Vas-y, moi je vais. Envoie-moi. Je vais aller mettre mes cheveux. Parfait. Gros, t'es mort là. Ah là là. Elio, il va se faire des implants. Allez, ma bite, allez. Allez, au revoir. Enfin libre. Let's go. Ouais. Super, Elio, il va se faire des implants. La gueule. Super, Alvaro, il va se taper des putes. Bon, allez, moi, je vous laisse, moi. Allez, la bise. À plus tard, Alvaro. Bonne chance à ceux qui vont survivre. On n'est pas ensemble. Ah non, on peut survivre, t'inquiète. Comment c'est que t'as des pouvoirs, toi, Alvaro, déjà? J'ai toujours eu des pouvoirs, les gars. Ah ok, je savais pas. Non, je rigole, j'en ai débloqué. C'est pour ça que je vais bien m'amuser avec. Allez, la bise. Allez, au revoir, les gars. Attendez. Alors toi, t'as acheté vite. Oh les gars, on va trouver mon Audi. Ah oui. Attends. Je vais pas parler quand même tout le temps avec ça. Voilà. Ah, c'est mieux, non, d'entendre ma vraie voix.
Oui, allô. Ouais. C'était... Juste, ouais. J'ai mis où la dernière fois mon Audi, moi? Ah oui, au Google. Ah. On retourne enfin au présent. Ça fait du bien quand même. Force à eux, hein, ceux qui ont pas de pouvoir. Hein. Quelle belle journée. Ah mon Audi. Ah oui. Strangle de mort. Ouais, je suis nul, je suis toujours nul en conduite, hein. Quand même aussi qu'on s'économise parce qu'on vient de reprendre quand même de la force. Faudrait pas tout claquer en une soirée. Surtout que dites-vous que mon perso est bridé à 50, hein, 50%. Donc franchement, tout ce qui est énergie. C'est bien, il est bien chargé, c'est une boule d'énergie, mais on va dire qu'à 50% il peut pas déployer toute sa puissance quoi, il peut pas voler sans perdre d'énergie. Oh. Voilà. On a vu. Oh putain. Combien pour le coup là? Oh, je suis bientôt à 100 000. Pourquoi j'ai l'impression que c'est Zera ça? Que pas du tout. Cette Dodge, on dirait vraiment que c'est la voiture de Zera. Attends, il s'est vraiment barré. Ah ok, il a crash. Oh putain. Custom niveau esthétique, hein, bien sûr. On va juste changer la couleur, mettre des vitres teintées, c'est tout. Hein. Parce que elle est belle en rouge, mais ça va 5 minutes le rouge. Oh, messieurs. Wesh. Pourquoi ça me sort? Ah, c'est une pub. De Lina Mayhem. Écoutez son nouvel album Mon âme sur Spotify. Noir classique, noir métallique. Dirait transporteur.
En vrai, on peut se mettre ça. On se met ça. On se met ça. Your call has been... Et allô Calvin, qu'est-ce qu'il y a? Je voulais savoir, c'est... Excuse-moi, ça a coupé. Calvin, qu'est-ce qu'il y a? Je voulais savoir, le... Pour tout ce qui est business, on fait comment? Écoute, pour le business, pour l'instant, on repose un petit peu là. Mm-hmm. Il faut le temps. Déjà, il faut qu'on trouve qu'est-ce qui a changé, parce qu'il y a des trucs qui ont changé à mon avis là. Ouais, c'est ça le truc. Okay. Mais qu'est-ce qui a changé en fait? Là, je vois, c'est bah, identique, c'est quoi. Ouais, c'est ça. Mais pour l'instant, il faut analyser, il faut voir. Ok. Ouais. Surtout que je sais pas, le vagabond, il va attaquer qui en fait. Ouais, il peut s'attaquer à toi. Fais gaffe. À force à lui, s'il s'attaque à moi. Ouais, bah ouais. Bon, vas-y, je te laisse. Vas-y. Vas-y, on se... Je vais raccrocher à la gueule. Ah mais moi, faut pas me lâcher, hein. Vas-y, hein, on se capte plus tard. Hein. Moi, tu... C'est pour moi, c'est comme si t'avais fini, hein. Attends, je suis gentil quand même. Tu... Je voulais... Finir par quoi? De pute. Tu vois ça, ça... Ma voiture. Il la stoppe. Mais je vais péter. Ma voiture. Ma voiture. Pute. Bon bah super, hein. On est à pied maintenant, du coup, ah, il l'a remis. Wesh. Your call has been forwarded. Your call has been... Wesh, ils sont là que pour les événements ou quoi, frère? Oh non, me dis pas, elle a crash encore.
Ma voiture. Bon bah... On va se balader quoi. Hein. Je ressens une énergie. Deux personnes. Deux. La merde, l'appareil photo, wesh. Il fonctionne plus! Comment on zoom, putain, fils de pute! Putain, pète tes couilles. Il y a un combat là-bas. Je peux pas zoomer, putain de téléphone de merde là! Putain de merde, il me pète les couilles. Et je suis discret quand même, non?
Il y a combien maintenant? Plus que 6. On va finir le live, les gars. Et je regarde mon écran. Parce que moi, je vois pas le chat, moi. Bon. On se retrouve bah, la prochaine fois quoi. C'est-à-dire je sais pas quand. Et puis la bise, allez. Throw down your umbilical, no, so I
Ah merde. Voilà. Non mais voilà. Hein. C'est à cause des petits bergouzes, hein. Ah ouais. Sano qui lance un raid. Merci Sano. Wesh. Et à tout le monde qui me raid. Wow, m'en fous, j'ai été le premier. Merci les couilles. Gars, c'est gentil, merci. Oh, il y a vraiment plus de continuer.